Salut tout le monde, c'est Wiz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V, plus précisément sur le mode LSPDFR 0.3. Donc, ça me fait très plaisir de vous retrouver à nouveau sur ce jeu. Donc, là, comme vous pouvez voir, on est actuellement avec le véhicule, enfin, avec un nouveau véhicule qui est le Mercedes Sprinter, si je ne me trompe pas, avec donc le skin de la police genevoise que je viens d'effectuer quand voilà, j'ai terminé après 2-3 jours de travail. Enfin, 2-3 jours de travail, ça m'a pas pris réellement 2-3 jours. Hein, c'est en comptant le fait que voilà, j'ai mes études à côté et bah ma vie quoi à côté. Mais sinon, on peut dire que ça, en tout, ça se résume à peut-être 6-7 heures de travail. Voilà, en regardant dans le jeu s'il est bien, en recommençant le skin pour qu'il soit encore mieux. Voilà. Donc, je suis très heureux de vous retrouver dans cet épisode. On va reprendre maintenant une patrouille avec ce véhicule. Une autre petite surprise pour vous, j'en profite. Hop, monsieur sort du véhicule. Et là, comme vous voyez, les tenues de la police genevoise. Enfin, du moins ce que j'ai essayé. Et je trouve que ça va, je m'en sors assez bien, même si il y a des choses que je peux pas modifier, telles que le badge encore. Mais sinon, ça va, il ressemble assez. Il ressemble, on va dire, aux vraies tenues. Et donc il sera bientôt disponible en téléchargement. Pour l'instant, il n'y a que le véhicule qui est disponible, mais bientôt il y aura la tenue. Donc là, on va partir en patrouille gentiment. On reste encore dans Los Santos, donc dans la ville. Et voilà, allez, c'est parti. Je vais plutôt prendre en fait par ici. Hop. Donc j'en profite les amis, donc pour ceux qui regardent la vidéo, je vous invite à aller dans la barre de description pour aller sur mon Facebook. Vous pourrez voir qu'il y a toutes les actualités. Hein. Tout ce que je travaille, je poste des images. Vraiment voilà quoi, je suis actif. Donc je vous invite fortement à aller sur la page Facebook. Ensuite, donc évidemment, il y aura le lien de téléchargement de GTA 5 mode sur le Facebook. Juste enlever le clignotant, voilà. Ainsi que mon Twitch, hein, parce que je faisais un petit peu de live ces temps-ci, puisque bon, j'ai une connexion qui est assez bonne pour les lives. Donc n'hésitez pas non plus à me follow sur Twitch si vous voulez suivre des lives. Donc c'est parti. Je vais vous montrer l'intérieur qui n'est pas forcément le plus top. Hein. Le modèle, bien sûr, il est de chez British Gamer, si je me trompe pas. Et voilà pour le véhicule. Sinon, heureusement que cette personne-là fait ces véhicules-là, parce que sinon on pourrait rien faire. C'est vert ou pas? Non, c'est pas vert. Donc on va aller vers le Hollywood Boulevard et tout ça. Ah, ou quoique. Ouais, non, je pense qu'on avait fait assez de trafic stop dans le dernier épisode, donc on va changer un peu. J'ai installé aussi des nouveaux call-outs, on va voir si ça va venir. Ah, on peut y aller. Quoique, cette personne est un peu mal garée, donc je vais m'arrêter pour le mettre un ticket. Voilà. Hop, on met nos clignots. Et allez, c'est parti. J'ai hésité à prendre un partenaire, mais les partenaires sont un peu, on va dire, un peu débiles. Parce que le problème, c'est qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc, moi, ça m'arrangeait pas trop. Donc, tac-tac, on va demander au central le détenteur de ce véhicule, tout de même. Donc, central, pouvez-vous me transmettre des données pour 666 Lima Papa Golf 044? Civilian Rampage. Quoi qu'on va prendre la mission qui est plus importante. Hein, Ferreux, Ahmed with Heavy. Oh, on a une mission assez sévère là. Donc, une personne qui serait armée avec une arme lourde. Donc, on va y aller. Hein. Donc, centrale, on se rend actuellement sur les lieux. Ouais, elle est par là. Oh non, ouais. Plutôt ça vaut mieux, elle est par là. Pardon, pardon. Oula. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il y a encore les crânes, Victoria.
Le temps que je suis encore en train de faire des autres textures de véhicules aussi qui sortiront bientôt. Je vous en dis pas plus. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, justement. Ouh là là là, on se fait tirer dessus, on se fait tirer dessus. On se fait tirer dessus. Elle est bizarre cette personne. Madame, arrêtez-vous. Monsieur, excusez-moi, monsieur, arrêtez-vous. Couchez. Mettez-vous à terre, s'il vous plaît. Oh non, mais sérieux. Bon, allez hop. Ok, on va prendre notre arme. Voilà. Voilà. Ouais, mais toi, t'es un malade, toi. Tu sais que t'avais une arme? Mais tu sais que t'as vu l'arme que t'avais? Donc tu vas me suivre, tu vas rentrer dans le véhicule là. Ok, bon. Alors pourquoi ce. Vas-y. On va essayer d'ouvrir l'arrière du véhicule, mais à chaque fois, je comprends pas pourquoi. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Peut-être qu'il y a une technique. Bon, c'est pas grave. Normalement, il va monter automatiquement si je monte dans le véhicule. Voilà, bon. Dommage, j'aurais bien préféré l'animation avec. Et on va le ramener en code 2 parce que c'est quand même un sacré bonhomme qu'on a eu. Donc, hop. On y va. Sacré bonhomme, hein. On va se mettre code 3. Allez, hop. Voilà, on va le déposer ici. Oula, je suis monté sur le trottoir. Ok. Ah, les suspensions, ils prennent cher avec moi. On va s'arrêter ici. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'emmener. On va pas l'emmener nous-mêmes. On va demander à notre collègue qui vienne le chercher. Voilà. Donc c'était Monsieur Jerry Freeman. Ok, très très bien. On va reprendre notre patrouille. Merci. N'hésitez pas aussi à commenter. La dernière vidéo m'a fait vraiment plaisir avec les commentaires qui ont été super super cool. Et aussi vos likes là. Donc je vous invite franchement si vous aimez toujours ce que je fais bah what? Ok. Je vous invite donc à continuer. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et pour être honnête, moi, j'étais pas forcément, je voulais pas vraiment me spécialiser dans le domaine de la police suisse. Mais vu vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Donc moi, ça me dérange pas. Et donc ce monsieur, on va aller l'arrêter. Il a pas le droit de faire crisser ses pneus comme ça. Excusez-moi. Voilà. On va le demander de l'arrêter. Monsieur, s'il vous plaît, rangez-vous sur le côté. Un petit klaxon. Allez. Vous savez quoi? Je vais le demander de me suivre. Oups, non. J'ai oublié qu'elle touche, voilà. Enable to detect. Ouais, faut que je me mette devant. Poussez-vous. Non, mais vous y croyez, ça? Ça, en réalité, normalement. Non, arrête-toi. Tu t'arrêtes. You must be stopped before you can. Ah merde, il est pas à l'arrêt. Ok, autant pour moi. On va attendre qu'il s'arrête alors. Et on va le demander d'avancer. Allez, avance. Allez. Oh non. Super, bon, on va appeler tout de suite des collègues parce qu'avec mon véhicule, je vais pas pouvoir le suivre longtemps. Oh! What the fuck? C'est quoi ça? On va appeler un hélico. Oh là là, il va vite, hein. Ah, il va vite. Je vais encore appeler des patrouilles, mais ils répondent pas, ça qui est un peu chiant. Ils font rien, ça qui est étonnant. Pourquoi tu ne fais rien, connard? Ouais, ok, les patrouilles sont buggées, c'est très bizarre. Bon, moi ça m'arrange pas tant que ça, hein.
On va essayer d'appeler encore une unité, mais je sais pas pourquoi ça répond pas. Il n'y a même pas d'hélico, il n'y a rien. Ok, mais l'SPDFR doit bugger un peu. Donc en gros, on est tout seul. Et il va vite. Et on va le perdre là, on va le perdre, il va vraiment vite. Allez, arrête-toi, s'il te plaît. Oh, ok. A priori, c'est un peu planté. Ok, il a une route bloquée, je crois. Il peut plus vraiment rouler. On va en profiter, on va le bloquer. Non, me dis pas que tu as poussé un van sans problème, quoi. Monsieur, sortez du véhicule. Sors du véhicule. Voilà, main en l'air, c'est ça. Couche-toi. Mets-toi à terre, main en évidence à terre. Eh ben. Ok. Dan Fernandez. Tu restes là, Dan Fernandez. Je vais faire un appel à la centrale pour savoir s'il y a quelque chose d'important à savoir. Licence valide. Ah là là. On va voir s'il était alcoolisé. Est-ce que. Normalement, je peux. Allez, vas-y. Quoi? Ah, ou je peux pas, si. Peut-être que parce qu'il est monoté, je peux pas. Ok. Bon. On va appeler. On va appeler un collègue qui vient de chercher. Ça va venir. Toi, tu vas rester à terre. Ok, le collègue est en chemin. Reste à terre, voilà. Salut collègue. Donc voilà l'individu. Je te remercie. Parfait. On va appeler une dépanneuse là. Allez hop. Il y avait un sacré bolide hein, quand même. Je me trompe pas, c'est une Aston Martin ça. Hein. Parfait. Parfait, c'est parfait. Oula. Ok, relais gens, donc on se retrouve à nouveau sur le jeu après ce crash. Donc j'ai dû redémarrer le jeu, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, j'ai envie de dire tant mieux, puisque le jeu avait l'air de mal, il supportait pas, tout simplement. Il a du mal. Donc bon, bah tant mieux. Sûrement, ce sera mieux maintenant. Et voilà, donc on reprend notre patrouille, là on est actuellement on est dans les grands quartiers quoi de Los Angeles. Donc on reprend notre patrouille gentiment. Et un trafic stop. Bon, je sais pas pourquoi mais c'est le call-out que j'ai le plus. Donc bon bah on va le prendre alors à ce moment-là. Et on va y aller. J'ai envie de dire tant mieux, vu le type de véhicule qu'on a actuellement, on peut pas vraiment se permettre pour des. D'y aller, voilà, d'avoir des poursuites, quoi. Vous avez vu juste avant, c'était vraiment galère. On avait vraiment du mal à poursuivre et on a dû attendre que l'autre, bah, se plante, quoi. Donc c'est parti. Voilà, bon. Ok, je vois le véhicule devant. Ils sont à l'arrêt. Ok, il a pris la fuite. Ah, super. On va appeler des collègues. Allez là, attends. Oula. Oh merde. Non, arrête-toi. Arrête-toi. Main en l'air, main en l'air.
À terre. Allez, je vais te menotter. Madame, je vous arrête donc pour délit de fuite ainsi que. Ok. Ainsi que pour mauvaise conduite. Allez, je vais la ramener moi-même. Donc elle va me suivre gentiment, la demoiselle. Allez. Comment, mais comment ça se fait? Comment on fait? Bon, allez, rentre. Voilà, rentre à l'intérieur même. Je vais appeler vite fait la remorque. On va se mettre comme ça. Normalement, il y a une technique qui dit qu'il faut toujours se mettre dos. On se met, quand on fait l'appel, on se met comme ça. Et il devrait venir par derrière le camion. Enfin, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais vous allez me comprendre. Donc voilà. Donc techniquement, il vient par là, voilà. Et donc c'est mieux pour la circulation, sinon il serait bloqué avec tous les bouchons ici. Voilà. Et en gros, il le prend. Et voilà. Top de chez top. Voilà. Zéro. Et on y va. On va se rendre au poste de police. Oh. Vas-y, vas-y, passe, 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 c'est pas grave. Vous allez griller le feu rouge, c'est ma faute, c'est ma faute. Voilà. Donc on arrive au poste. Et en fait, c'est pas ici. Ok, on doit carrément rentrer là, j'imagine, non? Oui. Ok. Donc, on va laisser notre collègue à nouveau le prendre. Prendre notre suspect et le ramener en cellule. Parfait. Et nous, on va reprendre encore à nouveau notre patrouille. On va continuer encore un petit peu et on va gentiment se laisser. Qu'est-ce qui fait ce véhicule à l'arrêt ici? Je vais faire un petit play check. Donc, son train, pouvez-vous me donner des infos sur l'immatriculation suivant? 23 Foxtrot Kilo 0820. Excusez-moi, non, Oscar et non 0. Volé! Eh bah dis donc! Monsieur, vous allez gentiment vous arrêter? What? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, parfait. Prochaine fois, tu peux fermer la porte, hein, ça va bien, voilà. Bon, on va aller gentiment. J'espère qu'on va pas se faire tirer dessus. Donc, bonjour. Je vous arrête parce que vous étiez arrêté en plein milieu du carrefour. Donc, pouvez-vous s'il vous plaît me donner vos papiers? On va procéder à un contrôle. Merci, mademoiselle ou madame, je n'en sais rien. Donc, vous pouvez patienter, je vais contrôler. Riley Workers. Allez, allez, allez. Oh, pète pas la vitre! Riley Walkers. C'était ça, si je me trompe pas. Riley Walkers. Faites que ce soit juste. Yes. Donc, en plus, une licence suspendue. Yay, yay. Oh là là. D'accord. Donc, ça, c'est pas bien, ça, du tout. Donc, madame, je vais vous demander de souffler. On était le test. Ok, la limite est respectée. On va faire un test de cannabis aussi. Non, ah, je me suis trompé. J'ai remis l'alcool. Ouais, non, c'était, en fait, c'était la drogue. La drogue, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes drogué? Et non, elle est négative, négative. Donc là, c'est complètement volontaire ce qu'elle fait. Donc, madame. Vous allez gentiment, enfin,
Si j'arrive à avoir accès au menu, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès au menu. Je n'ai pas accès au menu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pour quelle raison? Est-ce que je peux pointer et demander de sortir? Allez. Ouais. Non, tu restes là. Reste ici. Allez, à terre. Très très bien. C'est bien, madame. Donc, hop. Madame, je vous arrête donc pour possession d'un véhicule volé. Ainsi que votre permis de conduire suspendu. Donc, vous aurez le droit à un avocat commis d'office si vous en avez pas. Bon, on va appeler un collègue. Juste la mettre par terre pour que elle fasse pas n'importe quoi. Et donc on appelle un prisonnier transporteur pour venir chercher. On patiente. Parfait. Collègue, bonjour. Voilà le suspect. Cox, okay. Bon, alors, on va appeler la dépanneuse. Et normalement, elle devrait venir par là, ok. Parfait, bon. Tant mieux. Donc, voilà le véhicule, hein, si vous voulez le voir d'un peu plus près. Allez, voilà, par là. Donc, vous voyez les plaques suisses, là. Oups, désolé. Plaques suisses ici. Donc voilà, hop. Non, on va aller monte, monte, monte. C'est bien. Et on reprend. Donc, bon. Voilà. Le véhicule a été importé. Donc, on va dire un épisode assez calme. Pas eu d'énormes débordements. Pas eu vraiment de. Ah, un accident. On va y aller. On va le prendre. Ce sera sûrement le dernier appel qu'on prendra pour cet épisode. Entre un camion et un. Ouh, une Audi R8. Ça, c'est pas joli, ça. C'est pas beau, c'est pas beau. Ok. On va bloquer la circulation. Non! Oh non, mais idiot, va! Sors d'ici, allez, sors d'ici, sors d'ici. Tu sors d'ici, tu sors d'ici, tu sors d'ici. Allez, allez, hop. Non, tu t'arrêtes, tu restes ici. Allez, à terre. Oh là là, c'est bon, tu m'as saoulé, toi. Prochaine fois, tu fais pas le gars pressé comme ça, ok? Donc, tu vas rester maintenant par terre, comme ça. Ici. Non, 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 mais tu vas rester ici, à terre. Ah là, idiot. Prochaine fois, fais pas tes conneries. Bon, on va aller voir. Oh, ils sont les deux inconscients, c'est pas top ça. Ils sont les deux inconscients. Je vais appeler direct une ambulance locale. Même deux ambulances. Voilà. Allez, ramenez-vous. C'est bon, vous arrêtez juste là, défoncez pas mon véhicule. Merci. Donc voilà, les individus sont dans le véhicule. Oh, faites pas ça, les gars. Je sais pas, je crois qu'ils peuvent pas aider s'ils sont bloqués. Je vais les sortir du véhicule. Bon, voilà. Hein, on tient pas compte de ça. Désolé, pardon, excusez-moi. Voilà, ils sont là, messieurs. Vous pouvez vous en occuper. Je vais bouger le camion s'il roule encore. Ah ouais, il bouge, c'est bien. Je vais le mettre là. Ah, ils sont morts. Ok. Je crois qu'ils sont morts. Donc ce premier monsieur-là est mort. Qu'on va appeler les coroners.
Check for a pulse! It's not our fault. Ok, bah il est mort aussi. Donc je vais aussi appeler une équipe de coroner. Et on va placer le véhicule pour laisser les ambulanciers partir. Non, vous restez là. Quoique non, c'est bon, s'ils passent par là, ça va. Je vais juste mettre ici pour bien bloquer cette voie. Ok, bon. Les coroners sont où là? On les attend. Parce qu'on a deux cadavres. Très bien. Je vais aussi appeler la dépanneuse. Tac, 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 tac. Ok, parfait. On en a une ici. Ok. Ok, ils ont pris les deux corps. Et on va... Je vais déplacer cet Audi. Et on va aussi appeler la dépanneuse pour ce véhicule. Et voilà. Moi, je vais aller me positionner sur le trottoir. Ok, bon, vous venez? Très bien. La première dépanneuse est là. Lui, on va appeler un codec pour le ramener. Oh, oh, oh. Ok. Bon, bah le camion est destiné à rester ici. La deuxième dépanneuse pour la Audi, elle est là. Ok, elle a disparu. Voilà. Bon, moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai encore un peu du mal avec au niveau du RP, enfin voilà, pour parler on va dire en pleine vidéo, vous savez, ça fait très bizarre. Et voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous invite fortement à aller voir ma page Facebook pour vous tenir au courant des actualités. Et aussi aller faire un tour, follow ma page Twitch. Je vous remercie à vous, moi ça a été un plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, ciao.